Nous sommes donc de retour. Bon, apparemment, j'aurais spoil Star Wars 8. Hein. Sans m'en rendre compte. Donc, ben, pour ceux qui regarderont la rediff, hein, ne regardez pas la fin de la partie précédente, hein, sous peine évidemment de spoil de Monsieur Star Wars 8. Vous voilà prévenu. Alors, non, je m'en suis même pas rendu compte. Hein. Bon, ben désolé. Hein. Mais est-ce que vous vous en remettrez? Mais c'est la vraie question. On ne sait pas. Bon. Donc alors, cette Solus-là, ça vient ou ça vient pas? Donc vous me dites qu'il faudrait planter des lances sur les côtés pour monter dessus pour réussir à esquiver. Dites-moi que c'est pas vrai. Non mais ça doit être ça, oui. Ça doit être ça, vu que je peux pas l'esquiver en bas. Il est trop grand, je ne peux pas sauter au-dessus. Bon, ben à un moment donné, je pense que ça doit être ça, effectivement. Ça doit être le coup des javelots accrochés sur les murs. Putain. Ça, c'est compliqué. Ça sert à rien de prévenir après. Mais pour ceux qui rateront la rediff, Kelly, tu comprends pas. Voilà. Bon. Allons-y. Perdons pas de temps parce que du coup après ça il y a au moins deux autres niveaux. Hein. Et peut-être le niveau ultime qui va se débloquer après, on ne sait pas ce qui va se débloquer après. Au milieu et baisse-toi. Non mais attends. Quand je me suis déjà... Mais arrêtez aussi de dire des conneries, Dark Link. Je me suis déjà baissé au milieu. Ça passe pas tout le temps. Ça passe une fois, ça passe deux fois, peut-être trois fois. Mais après, quand il repasse, il est en plein milieu. Tu ne peux plus l'esquiver quand t'es au milieu. Même quand tu te baisses. J'ai essayé, putain, suivez un peu. Mais ça ne suit pas sur le chat. Ça ne suit pas ce qui se passe. Ah, c'est compliqué. Très compliqué. Bon, par contre, là, j'ai quand même la bonne technique. Je passe super bien. On dirait une sorte de demi-god. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça m'impressionnerait presque à moi-même. Alors, attention. Ouais. Je la sens bien celle-là. Ça sent la win. Jume la win. Yes, ça passe. Oh oui. On est bon là. Jume la win, jume la win. 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 Attention. Hé, hey, je sais même pas si on était déjà arrivé là avec l'épée de feu. Vous voyez, les petites pauses, ça sert. Hein. Ça sert, les gars, les petites pauses. Pas possible. C'est une blague. Putain. C'est pas vrai. Bon. On va se concentrer. Donc alors. Outre la directe, moi. Alors voyons, est-ce que ça passe là? Il aurait fallu que je ressaute après, hein.
Bon, là, on peut faire ça. Du coup, alors là, il va envoyer un squelette, ici. Il envoie un squelette, je le dessoude, non. Là, il refait ça. Putain. Là, en fait, il aurait fallu que... Putain, il aurait fallu que je fasse une lance à droite pour ressauter dessus. Non, mais le problème, c'est que c'est que du parkour, là. Clairement, ce n'est que du parkour, là, ce qu'on fait. Jume la win. Ah putain, qu'il est con. Quoi, c'est pas ça? Attendez. Pourquoi Kelly, tu dis que j'ai rien écouté? Bon, mais dites-moi si c'est pas ça, alors on va pas y passer la nuit. Moi, je ne comprends pas comment on le tue, ce boss. Voilà, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on tue ce boss, c'est n'importe quoi. Je ne sais pas. Merde! Dites-moi alors! C'est quoi alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Faire des lances à gauche et à droite et alterner, sauter, se baisser au milieu. Mais c'est ce que j'ai fait! C'est ce que j'ai dit! Bon, je l'ai pas fait, mais je l'ai dit! C'est pas ce que j'ai dit! Mais si, c'est ce que j'ai dit. Mais c'est ça! Faire des droites à lancer à gauche et alterner. Mais c'est exactement ce que j'ai fait, non? C'est ce que j'ai fait, putain. Allez, le spectre! Voilà. C'est bon. Ah, c'est dommage, je me suis fait toucher. Mais c'est la vie! C'est comme ça! Bon, alors là, bravo. Allez. Ah oui, d'accord, ok. Un try pour rien! Pourquoi? Ce que je pige pas, c'est que des fois je casse en fait les. Je casse les morceaux de bois sans comprendre pourquoi des fois je les casse et puis des fois non. Ça, c'est un petit peu étrange. Alors attends. C'est ça, fait mettre des lances dans le mur opposé quand il te lance des bouboules. Ah, ça c'est déjà un petit peu plus précis de monsieur Asmo. Alors, mets des lances dans le mur opposé quand il te lance des bouboules. Oui, donc tu veux dire le mur où il lance des boules. C'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. C'est ça, dans le mur où les boules sont lancées. Mais c'est ça. Et je pense que j'ai pigé. Hein. Je pense avoir pigé. Hein. Voilà. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi, Kelly, tu me dis que j'ai rien compris. Tu me dis que j'ai rien écouté. Mets deux lances sur les murs opposés. Pourquoi deux lances d'abord? Quand il s'arrête dans un côté, tu mets deux lances sur l'autre côté, tu bourres deux lances, après tu sautes par-dessus et tu restes au centre. Solus, regarde. Non mais ne mettez pas des liens d'une Solus. Franchement, vous croyez vraiment que j'allais voir une Solus en vidéo en plus. Aïe, aïe, aïe. Je mange pas de ce pain-là. Non mais je pense avoir compris. Je pense avoir compris, c'est juste que bon, entre comprendre quelque chose et puis réussir à le faire, c'est pas tout à fait la même béchamel. Ah oui d'accord, je peux même pas splendide. Je suis foutu. Vous voyez que j'ai compris. Vous voyez, j'ai tout compris. Ça se voit pourtant. Ah, on n'est pas aidé. On n'est pas aidé. Non mais c'est bon, c'est la bonne, là, j'ai compris. C'est la bonne. C'est bon, c'est fini. C'est fini, c'est... Le try de la grosse win, c'est terminé.
Croyez-moi si je vous le dis, c'est terminé, c'est fini. Tout se finit maintenant. Tout. C'est fini. C'est le trade de la win, c'est terminé. Allez, jusque là, je joue en mode petit joueur, mais ça c'est fini. C'est fini. Tout est fini. Tout est fini. Bon, là par contre, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est comment. Comment je fais pour tomber? Alors vous allez me dire, mais Hooper, il faut pas appuyer vers le bas. Oui, alors si j'appuie pas vers le bas, en fait, comment dire, je ne me baisse pas. Voyez-vous? J'espère que je vais pas péter toutes les planches et me faire toucher par des pics. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il boit un... Ah, c'est marrant, quand on fait rien, il boit une potion. C'est rigolo. Bon, attention. Mais voyez, il le casse. Je veux pas qu'il le casse, nom de Dieu. Ah, c'est supportable. Oh putain, heureusement que... Ok. Alors attention, là, on a l'épée de feu et tout. LOL! Ok, là, ça passe. Si je le touche pas, on va pas aller loin. Ok. J'ai quand même tué le truc. Est-ce que je peux le toucher quand il fait ça? Putain, on peut le toucher, hein. What? Je touche même pas de là! Je touche pas, les gars. Je touche pas! Mais putain de connerie, dieu de merde! Mais là, ils vont pas assez loin! Mais comment, enculé de jeu! C'est de la merde! Mais les lances vont pas assez loin! Les lances disparaissent dans le décor! Les lances disparaissent dans l'infini! Non mais, je le touche pas quand je le tire de trop loin! Mais j'ai jamais vu un jeu aussi pourri, vous voyez, je vous dise. C'est de la véritable immonde saloperie. Non mais c'est incroyable, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. Ah, j'ai jamais vu ça. C'est de la saloperie. C'est insupportable.
Mais putain, je vais encore crever à cause de ça. Allez. Une fois que tu connais les niveaux, c'est easy win quand même. On le voit bien. Bon, alors, comment on fait? On comprend rien. C'est énervant, c'est énervant. Pour gagner un combat, il faut tuer son adversaire. Gandhi n'a pas sa place dans un champ de bataille. Plus il insiste en plus à lancer des lances qui n'ont pas assez de portée plutôt que tenter de charger rien que pour voir. Mais charger, j'avais plus le bouclier bleu, vous voyez pas, je pouvais plus charger. Vous n'avez pas vu, j'avais plus le bouclier bleu, je ne pouvais plus charger la lance. Ah, c'est compliqué. Rate tout. Putain, en fait, tu peux le toucher, mais. Mais je peux pas l'avoir comme ça, en fait. Hein. Ah oui, ah, c'est comme ça, putain, il faut que je me baisse comme un abruti. Mais il est déjà mort! Mais c'est tellement de la merde! Il a juste tué directement en trois coups! Oh, j'en peux plus de ce jeu. Oh, j'en peux plus. Non, mais ce n'est que du parkour. Voilà. Ce n'est que du parkour. Ce n'est que du parkour. Ce n'est que du parkour, putain. Par cœur et repar cœur par derrière. Voilà. Une fois que tu connais les jeux, ça, je pense que ça, c'est un jeu en speedrun. Les mecs, ils doivent te torcher ça. Méga easy. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, splendide. Alors, bon, ça, c'est easy. Ça, moi, je saute dessus, je suis un fou. Voilà, bien joué. Toi en bas. Alors, toi. Voyons, tu fais quoi là? Ah d'accord. Ah d'accord. Ah d'accord! Le mec s'est suicidé, très très bien. Je peux aller là-bas, moi? Bon, on va tenter un truc. Ah d'accord! J'ai essayé la roulade, mais pas du tout en fait. Attendez, je vais essayer là parce que j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui est passé? Mais... Attendez, c'est... Ah mais qu'il est con d'accord, je suis gouré. Je suis gouré de boutons pour la roulade en fait. Très très bien, autant pour moi. Eh, je pense que c'est ça en plus. Eh, je pense que c'est ça pour réussir à le choper, regardez, c'est comme ça, d'accord. Mais je suis gouré. J'ai balancé javelot alors que je voulais... Est-ce qu'il va faire pareil là? Ah d'accord. Ah ouais, c'est ça. Bon allez, vous savez quoi? First try. First try parce que j'en ai marre de toutes ces conneries. Qu'est-ce que c'est que ça? Des vieilles boules. Qu'est-ce qui m'a touché? Je sais pas, j'ai pas vu. Il y avait rien. Oh le con! Mais le con! Il a ballardé plus haut. Il a ballardé plus haut sa mère de cocktail Molotov à deux balles. Oh putain, c'est merveilleux. Mais qu'est-ce qui m'a touché? Je comprends pas. Ça fait deux fois qu'il y a un truc qui me touche et que je ne vois pas. Je dois être handicapé. Je vois que ça. Ah non, d'accord, c'est les petites flammes. C'est les petites flammes en fait.
Oh la vache. D'accord. Peut-être faire une petite lance avant, peut-être. Peut-être, hein. Mais tu déconnes. Allez, c'est bon. On a compris. Bon, c'est la bonne, là, je le sens. Allez, first try. First try, first try, first try. Putain, mais va te faire enculer! C'est pas vrai! Mais c'est pas possible! Ah putain, les gars, faut. Très, 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 très motivé. Bon, là, je pense qu'il y a un timing extrêmement serré à avoir. J'en ai peur. J'ai un message sur le téléphone. Et un message à 3h30. Et je vous dis un truc. Ça peut être important. Et à mon avis, ça l'est. Donc, je mets sur pause. Je vais rappeler la personne et je reviens.
Bon, on y va, hein. C'est ce qu'on appelle un appel personnel. Mais rien de grave pour l'instant. Pour l'instant. Alors rassurez-vous! Bon. On va reposer ça là. Et on repart. Ben, rien de grave, mais ça aurait pu être quelque chose de grave. Moi, je vous parlerai rarement de ma vie personnelle, vous en faites privé, je veux dire. Privé, personnel, tout ça. Mais, voilà, sachez que quelqu'un de ma famille est très malade. Voilà. J'en dirai pas plus, donc ça aurait pu être grave. Et ce n'est pas ça. Heureusement. Mais voilà, c'est... Donc... Oh putain, celui-là je l'ai esquivé. Mais quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais lui il vise avec ses cocktails Molotov comme une sorte de demi-god of the sniper là, regardez-moi ça. Ah tu peux plus. Tu ne peux plus. Tu ne peux plus. On se dit toujours ça arrive aux autres, ça arrive qu'aux autres. Mais non, ça arrive pas qu'aux autres. Hein. Vous verrez que ça risque forcément de vous arriver vous aussi dans votre vie à un moment donné. Hein. Si ça vous est pas... Mais c'est pas possible ces boules en fait qui à chaque fois pivotent sur un côté ou de l'autre et puis tu sais jamais si elles vont tomber à droite ou à gauche. Ah putain. Oh, c'est ce parade de la bouboule. Bon, attendez, parce que là, il faut que je comprenne ce que je vais faire après. Une fois que je pourrai sauter là-bas. Moi, je veux bien sauter là-bas. D'ailleurs, je vais faire ça. Voilà, là, je saute là, je saute là. Le mieux, c'est de faire un double saut, en fait, hein, clairement. Ouais. C'est-à-dire que... Attendez. Je vais sauter là. Là, je suis là. Je fais double saut. Ouais. On va faire ça. Voilà. Un petit peu de jus. Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain! Il y a Conan le barbare qui nous attendait juste derrière. Oh là, c'était pas grave. Oh là là, trop tôt. Beaucoup trop tôt. Ah, c'est vraiment du... On est vraiment dans du pur die and retry, je trouve. Parce que c'est compliqué de le faire directement, tout ça. C'est quand même pas simple. Alors évidemment après, ça c'est le genre de jeu, une fois que tu l'as fini une fois, bah tu peux vraiment te la jouer devant tes potes, hein, parce que là... Putain, il a encore pivoté de l'autre côté ce petit enfoiré.
Oh yes. Oh là là là. Oh oh oh. Je l'ai berné. Je l'ai berné, putain. Faut le pousser, ça. Qu'est-ce que c'est, cette connerie encore? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Alors attendez, je comprends pas bien. Je peux rien faire là. Oh putain! Oh! Petit Satanas. Donc lui en fait il va tomber. D'accord. Merde. Ok. Ah c'est que pour un coffre. C'est que pour un coffre. Non ! Putain ! Je pensais pas qu'il a fait un saut aussi grand. C'est pas possible. Mais putain ! Ah, c'est pas possible. Évidemment. Aïe aïe aïe. Ah ouais, je l'ai vu. Je l'ai planté trop haut. C'est pas possible. Ah putain, ce jeu de l'angoisse. Allez, tue-moi. Bonne nuit, Bacossin. Bon courage pour la suite, je regarde la rediff. Eh bien, merci, Bacossin. On va en avoir besoin. Tiens. Ah, il faut que deux coups. Ah, il faut que deux coups en fait. Ah, ce qui veut dire que je peux l'avoir direct. C'est pas la peine que je fasse ma technique de fourbe. Si c'est seulement deux, c'est suffisant. Oh, il est mort. Il est mort, non? Ah, il est mort, ok. C'est bon. Alors là, du coup, comment j'ai fait? D'accord. En fait, c'est juste pour nous montrer que ces ennemis sont des ennemis kamikazes. Contre là, ah oui, j'aurais peut-être dû le... Ah oui, mais non, parce que... Ah, et là, après, il va me toucher, eh oui. Donc, grosse erreur de gros débutant, ce que j'ai fait là.
Épée de feu. Voilà, comment je vais faire, putain? Je vais faire le doublé, quoi. Je vais essayer d'aller directement là-bas, je sais pas si c'est... C'est quand même mal brancouillé, ça. J'essaie de sauter de l'autre côté, là-bas, mais je sens que je vais me planter. Tu vas te planter, tu peux pas doser tes sauts. Si je fais le double saut, je vais crever aussi, je pense, hein. Putain. Bon, j'ai essayé un truc, mais ça sent la mort. Ah non, c'est pas... En plus, tu meurs direct. Putain, mais que c'est con. Voilà vraiment le genre de conneries. Le genre de conneries où tu meurs, mais pour rien. Pour rien. Juste parce que tu ne sais pas comment tu peux bien doser ton saut. Ah, moyen ce Volgar, ce gros viking quand même. Dommage. Je m'attendais un petit peu mieux vu la réputation du bordel. Un petit peu déçu, monsieur Volgar, là. Un petit peu déçu, dites donc. Putain, puis ça te tue instantanément dès que tu prends le feu. Il n'a pas la même appréciation du jeu qu'au tout début quand il ne mourait pas. Bah oui, c'est pareil, logique. Tu sais bien que c'est mon barème. Si je ne meurs pas, très bon jeu. Si je meurs, mauvais jeu. C'est pourtant simple. Peut pas être plus clair. Nous, on s'attendait à un peu mieux du joueur. Ah, un petit ban alors. Oh! Oh! Oh merde! Ah putain! On s'est fait déborder, colonel! Inverser la manœuvre! Le gameplay est bon. Non mais le gameplay est vraiment bon, hein. Mais je critique en fait, je dirais, le game design. Parce qu'il y a trop de die and retry, voilà. Voilà ce que je critique. Hein. Je pense qu'il est mort. Ah mais il y avait lui aussi. On se souvenait même plus. Voilà, le game design, donc c'est même pas le level design, hein. C'est la façon dont a été créé le jeu qui malheureusement récompense le die and retry. Et ça, c'est pas bien, ça. D'accord, si tu veux. Ok. Très très bien. Le Hooper, c'est une référence. Ah, là, je peux répondre par l'affirmative. Une grosse référence. Tiens, il retient par derrière. Mais c'est dommage. C'est dommage, parce que vraiment, je trouve que le gameplay du Volgar est vraiment top, quoi. C'est vrai, ça se manie bien et tout, mais malheureusement... Le jeu ne rend pas honneur au gameplay. Et... Ah d'accord, ok. Et ça, c'est quand même dommage.
Merde. Ou alors c'est que je suis de mauvaise foi. Ce qui reste une possibilité non négligeable. Mais j'en serais le premier étonné quand même. Oh la vache! Quoi? Oh putain! Hop! Ah, Donkey Kong Country et saut. Je voulais essayer de l'avoir quand il tombait, mais j'ai foiré mon coup. Moi j'aurais dû y aller, tiens, ça passait. Disons qu'il faut aimer refaire les passages 150 000 fois, quoi. Alors là, je sais pas comment faire les gars. Je sais pas, peut-être y aller de là-haut. Putain, c'est vraiment relou. J'ai essayé de sauter de là pour voir. Quoi? Mais c'est vraiment de la merde. Non mais sans déconner là. C'est insupportable ce passage. C'est insupportable ce passage. Mourir comme ça, comme un con, c'est insupportable. Oh putain. C'est là, voilà. Je vais vous dire, là, dans ce genre de situation, j'ai juste l'impression de perdre mon temps. Je me dis, je perds mon temps. Là, je perds mon temps. Voilà, ça, c'est juste une perte de temps. Oh, il a pas sauté. Putain, il y a le bouclier qui apparaît, quoi. Gros coup de bol! Comme on veut personnellement, les gars. Et dommage, je suis un petit peu déçu. Tu déconnes! Oh la vache! Mais c'est pas possible! Quel enfer! J'ai presque envie de zapper les coffres, vraiment. Pour aller plus vite, hein, parce que là...
taper de feu, on va tomber dans la lave. Ça va bien nous servir. Alors, c'est relou, hein. C'est relou. Tu trouves ce jeu plus dur que Castilla? Ah bah en tout cas, c'est un truc que je peux te dire, c'est que Castilla, bidule chouette, là, c'est-à-dire le clone de Ghouls and Ghosts, expose complètement Volgar the Viking. Ça, je te le signe de suite. Voilà. Voilà. C'est Cursed Castilla, c'est ça. Cursed Castilla est bien mieux conçu, quoi, et bien plus fun que Volgar the Viking. Ça, je te le signe de suite. Alors après, plus dur, mais je dirais que celui-là, il est plus dur parce qu'il est moins bien conçu. Parce que c'est du pur Die and Retry. Alors que, Cursed Castilla, tu pouvais y arriver du premier coup. Là, tu ne peux pas, clairement. C'est une légère différence de conception de game. Donc, est-ce que quelqu'un sait quand est-ce que je dois y aller? C'est insupportable. Alors, écoute-moi, Hooper, quand tu es au-dessus du poteau, fais un double saut à la verticale pour retomber dessus. Un double saut à la verticale. Ah, mais je peux faire ça. Mais non, je peux pas. Attends, je peux faire ça? Tu veux dire, si je saute là et que je ressaute sans toucher les flèches directionnelles, je vais sauter à la verticale. C'est ça que tu es en train de dire. Je vais t'écouter. On va écouter Capitaine Nemo qui nous dit « Quand tu es au-dessus du poteau, fais un double saut à la verticale pour retomber dessus. » Très bien. On va faire ça. Évidemment, je vais lâcher les commandes, hein, sinon ça ne marchera pas. Hein. On va essayer. Ah, mais il avait raison, putain. Ah, mais il avait raison. Effectivement, ça annule l'action quand tu fais le double saut. Moi, je pensais que ça continuait. Très bien, Capitaine Nemo. Putain, il va me toucher, lui. Non. Alors. L'enfer sur terre. L'enfer sur terre. Bon, et merci, monsieur Nemo. Hein. Tu peux repartir dans le Nautilus. Il y a un truc qui m'a toujours fait marrer dans le film. 20 000 lieues sous les mers. Le vieux, hein, avec Kirk Douglas. C'est la chanson avec l'espèce de phoque, là. C'est toujours... Oh putain, quand il a failli me toucher. Une histoire de baleine, c'est ça les gars, une histoire de baleine. Vous êtes le seul mec au monde qui connaît ce bordel par cœur. Oh, comment j'ai paré. What? Double parade du serpent de la mort. Une histoire de baleine, c'est ça les gars. Non, mais dégage, putain, j'en ai marre de ces boules pourries. Ah, c'est insupportable, ce jeu est insupportable, oui, je vous dis, ce jeu est insupportable. Ouais, bravo. N'importe quoi. Avec l'espèce de d'otari. Non, je crois que c'est une otari. Hein. L'espèce d'otari qui chante en même temps. Il faut le voir pour le croire. Hein. Ils mettent une espèce de mec surarmé, hyper rapide, et le mec trépasse en deux coups. Ça n'a aucun sens, capitaine! Thank you.
D'accord, il faut orienter le perso de l'autre côté, sinon l'autre ne tombera pas. Épée de feu! Qui ne nous servira évidemment à rien puisqu'on va tomber. Youhou! Alors. Bien. Alors. Ça y est, on a enfin passé ce passage de l'angoisse. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a en hauteur? Ah, on a une saloperie déjà. Ah d'accord. Ah d'accord. Ah d'accord. Voilà. Ça, c'est de l'intuite à natation. Voilà, on est pas mal. Pourquoi ils ont foutu ça là? A mon avis, il y a un trésor en bas, mais on s'en fout. Le coffre, on va le laisser si jamais je me fais toucher. Est-ce que vous croyez que je peux atteindre? Oui, je peux l'atteindre avec la glissade. Il a touché le con. J'ai bien fait de garder le coffre. J'espère qu'on a un checkpoint là quand même. Putain, ça commence à faire. Hein. Oh merde. Un homme lézard des enfers! Ah, d'accord. Ok. L'homme lézard des enfers. Ah, checkpoint. Oh mon dieu, enfin. Mon dieu! Ça y est, on a plus à se refaire cette saloperie. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus, les gars. Je n'en pouvais plus. Il y a un secret dans le plafond. Au-dessus de la première bestiole verte qui se jette dans le vide, tu montes la corde, jettes une lance à gauche et pètes le plafond. Ouais, bon, on verra ça la prochaine fois. Hein. Dans une autre vie. Faut quand même pas déconner. Allez. Ok, l'épée de feu, on est full. Allez, first try. Merde. Ok. What? Y a pas de passage? Ah mais si, je suis con. Là. Oh là 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 là. Bon, le coffre, on s'en fout, hein. Loul, moi, je passe là-bas. Ça va, les gars? Saloperie. Mais sans déconner, là, même avec le dézoom, tu vois pas la lave, enfin! Oh, j'en ai marre. C'est vraiment de la saloperie. Hein. Sans déconner, quoi. Du pur Die and Retry de merde. Oh, putain! Ça n'a pas de sens. Ce jeu n'a pas de sens. Oh là là, comment je l'ai esquivé, lui. Oh là, mais il y avait ça. Ah putain, il fallait utiliser ça. Oh, c'est de la merde. Ça sent la mort.
Waouh. Oh! Il a voulu me bouffer le bouclier! Fénop. Oh merde, putain. Et voilà, ça c'est très 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 mal joué. Grosse erreur de gros débutant, on peut le dire. Oh la vache. Bon, peut-être que si on se met sous lui, ça passe. Parce que je vois pas trop comment le tuer là, sinon il avait l'air vachement haut. Bon, ça a pas l'air trop dur, hein. Franchement. Ça a pas l'air complètement atroce. Putain, tu peux pas le faire plus d'une fois. Oh la vache. Ça a pas l'air hyper dur, sérieusement. Pour faire plaisir aux fans de 2010, quand tu sens que tu vas faire ça, que tu vas faire, il faut que tu cries kamikaze. Je veux bien le faire, mais pas pour toi, bon roi Dagobert. J'ai vu que t'avais été pas très 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 ronron sur le bon gros chaton tantôt. Eh oui, je vois tout! On me la fait pas à moi. Pouh! Vous croyez que ça vaut le coup de passer par là? Ah d'accord, ok. Non. En fait, non. Ah mais du coup, je peux peut-être aller chercher ça, là. Bah oui. Parce que... Ah d'accord. Ah d'accord! Fallait faire la roulade! Impossible de savoir du premier coup. Obligé de mourir une fois. Ah d'accord, on a eu de la chance. Mais... Eh ben putain, ce jeu... Heureusement, je l'ai pas fait en épopée off. Hein. Putain, le truc. Oh là 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 là. D'accord, très très bien. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Ah d'accord. C'est compliqué les gars, c'est compliqué. Je dirais même que c'est très compliqué. Allez, je commence à faire n'importe quoi. Je commence à faire nymphe, c'est parti là. What? Putain, c'est parce qu'en fait je suis encore baissé Je suis encore baissé quand je lance le javelot, du coup je fais une roulade, voilà. Parce que je dis le bouton rond. Donc en fait c'est ça. En fait, le rond c'est censé être la roulade. Non, c'est censé être le javelot. Mais quand tu es baissé, que tu fais rond, ça fait la roulade. Ce qui est un petit peu con, hein. Puisqu'il y a déjà un bouton qui est dédié à la roulade, et c'est R1. Eh oui. Mais... D'accord, en fait, c'est la boule qui m'a touché. C'est la boule qui m'a touché, c'est pas la lave qui est en dessous. Voilà ce qui m'est arrivé la première fois, très bien. Bon, du coup, en fait, faut que j'aille comme ça, vraiment, en fait. Ah oui, c'est ça. Il fallait juste aller comme ça. Par contre, là... Attends, je peux pas passer, là? Non, faut que je fasse la roulade. Attendez, putain, attendez.
fallait que j'envoie un javelot là. Bon bah. Attendez, qu'est-ce que je dois faire là? Qu'est-ce que c'est ce délire? Qu'est-ce qu'il faut faire là? Mais non! Oh putain, j'en peux plus! Ouais, c'était la roulade, c'est ça. C'était la roulade, roulade plus saut. Putain, j'en peux plus. Mon Dieu, libérez-nous du mal. Ok, on va laisser tomber ce coffre. C'est bon, j'ai compris. On laisse tomber ce coffre. J'en peux plus. Essayons de ne pas se faire toucher par lui, ça va être compliqué, mais bon. Comment je peux ne pas me faire toucher par ce type-là? Bon, bah, je suis obligé de faire ce que j'ai fait, je peux pas faire autrement. Fait sûrement que si, mais je vois pas comment, donc je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Donc là, voilà, ok, c'est bon, il n'a pas eu du coup. Je sais pas, je vois pas. Je sais pas à quoi il sert lui, c'est un peu bizarre. Hein. D'accord, très très bien. Parfait. Bon, voyons. J'essaie de le mettre sous lui. Ah, c'est bon, ça passe. Bien intuitané. Et merde. Tant pis, je passe par là. Pourquoi cet endroit là? Ah, il y avait un coffre là. Est-ce qu'il pourrait y avoir? Oh, j'arrive pas à voir là. Ok. Il pourrait y avoir un secret à droite, mais bon. C'est un petit peu bizarre ce passage, je trouve là. Bon, on va dire que non. Je peux aller là-dessus? Ah oui, d'accord, je peux aller là-dessus. Alors, ah, je suis sûr qu'il y a un secret à droite. Hein. C'est sûr, le problème c'est que là, ils sont deux. Donc, on va peut-être faire comme ça, du coup. Ah d'accord, ok, très très bien. Parfait, merveilleux et magnifique. Cela dit, maintenant, je pense que je peux avoir les deux en même temps. Voilà. Oh, il n'y avait rien. Ah! J'étais persuadé que tu aurais un truc. Bon.
Oh putain. Ah, d'accord, c'est le boss serpent. Attention, le boss serpent, qu'est-ce qu'on fait? Le boss serpent, on... Ah d'accord. Ça. C'est ça, le boss serpent, mais oui. Libérez-nous du malin, c'est diablerie. Diablerie. Ah là là, quelle déception ce Volgar. Bon, là je comprends pas, il faut que... Mais en plus je peux même pas l'avoir avec la lance, vu sa position. Je comprends pas, là, je vois pas comment je peux l'avoir. Peut-être en sautant comme ça, j'aurais besoin qu'on ait un seul saut. Peut-être, je sais pas, je vois pas bien le délire du bordel. Si je saute là, et non. Mais ouais, mais c'est encore pire. C'est encore pire. C'est chaud de pas se faire toucher par lui quand même là. Peut-être en passant par cette chaîne là. Mais après, comment je fais, c'est pareil. Si je saute là, voilà, j'ai sauté trop loin, je dois revenir en plus. Ah, quoique, j'ai pas sauté trop loin là, attendez. Voyons. Ah, peut-être comme ça. Eh, je me mets là. Ouais, peut-être ça. Peut-être ça. Peut-être ça. Possible. Vraiment que j'ai réussi à me le faire. Voilà. Faut juste reculer un petit peu, puis t'attaques et puis ça passe. Donc là. D'accord, merci beaucoup. Je me fais toucher pour rien. Ça me fait plaisir. Voilà. Ça nous fera un petit coffre en plus. Ouais, je vois pas trop l'utilité de certaines chaînes là, mais bon. On va dire que c'est moi qui ai rien pigé. Bon, du coup, en fait, il n'y a aucune utilité à les tuer. Ça n'a aucun sens. Voilà. Et donc le boss c'est là. En fait c'est... Les stages sont hyper rapides en fait. Hein. Bon, ça me paraît évident, il faut faire ça. Voilà. Quoi? Putain, il m'attaque là aussi. Ok. Putain. Mais tu peux rien faire. C'est énervant. C'est que des boss par cœur, mon dieu. C'est que des boss par cœur. Putain, c'est ouf. Ah, ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Bon, j'ai essayé ma technique, là. Ah ben, ça passe, tiens. Allez. C'est bon, ça passe. C'est vraiment le die and retry parfait, quoi, ce jeu.
Le die and retry, le perfect die and retry. Tu fais pas mieux. Sauf qu'on a encore passé une heure sur le serpent. Voilà, le temps d'apprendre comment on le tue. Palpitant! Heureusement qu'il a paré le bouclier. Hein. Sinon, on se serait fait avoir de plein fouet. Voilà, on y arrive sans se faire toucher maintenant. Épée de feu. Même ce coffre là, c'est même pas la peine de le prendre. C'est que du pognon qui ne sert à rien. Une bien grande idée, les gars. Les stages sont méga courts. Quand tu connais, c'est incroyable. Regardez-moi ça. On est au boss. On est au boss, quoi. Elle est tellement rapide. J'essaie de comprendre. Hein. Donc là, ça je veux bien. What? Ah, j'ai fait trop. D'accord. Je pense avoir pigé en plus. Putain, d'accord, ok. C'est nul, non, je suis désolé. Faut juste avoir en fait le bon timing, je pense que j'ai pigé. Hein. Faut réussir à esquiver quand il attaque, et puis tu fais le double saut pour réussir à le toucher juste après. Voilà, une fois de plus, c'est juste une question de timing. Après, faut esquiver ses conneries. Et j'ai eu l'impression qu'il envoyait des petites merdes rouges. Ensuite, d'accord. Eh bien, ça vaut zéro. Bravo les gars! Un boss de merde! Hein! Bien joué! Arako! Arako! Reste devant sa queue, il agite, tu recules. D'accord, je me doutais aussi qu'il y avait un truc à faire avec son... Bah, j'aurais dû y aller, là, j'étais con. Bon, une tension un petit peu, puisqu'on passe par là. Allez. Arako ! Bon, bah écoutez, tout à l'heure, c'était passé direct. Je sais pas ce qui se passe maintenant. J'ai pas dû faire exactement la même chose. Oh l'enculé. Ah non, en fait, il vaut mieux... Ah oui, non, non, mais ça, je trouve une autre technique. En fait, c'est même pas la peine d'aller derrière. Il vaut mieux directement se laisser tomber, tout simplement. Je suis con. Ben oui. Il vaut mieux se laisser tomber, ça sera mieux. Oui, sauf que là, j'aurais dû rester accroupi, mais en fait c'est ça. D'accord, ça y est. Cette fois-ci, on l'a. Cette fois-ci, on l'a. Alors, ce jeu, je l'ai payé 10 balles. Et oui, c'est sur PS4. Ça
Sachant qu'il est sorti en 2013, c'était que sur PC à l'époque. Hein. Voilà. Pour ta grosse question. Putain, j'ai encore... Encore une fois, merci le bouclier, parce que sinon j'étais fait. Je vais essayer de bien analyser sa queue, là. C'est un serpent à sonnette. Donc sa sonnette. On va bien regarder sa sonnette. Là, par contre, je vais avoir besoin du coffre. Hein. On n'avait même pas le casque. Analysons la situation, messire! Non, d'accord. C'est trop tôt, beaucoup trop tôt. Bon, ça, du coup, c'est easy à esquiver. Alors, attends. Putain! Trop tôt encore, non? Attends, je vais me foutre là, on va voir. D'accord. Putain. Ah, c'est juste une question de timing. C'est juste une question de timing, bordel. Juste une question de timing. Qu'est-ce qui est pire que le Die and Retry, les gars? C'est le Die and Retry plus timing. Mais oui. Voilà, ça passe. Voilà, cette fois-ci on l'a. Mais bon, j'ai envie de vous dire, gardez vos 10 euros, les gars. Moi, je trouve que ça ne vaut pas le coup de ce que je vois là. Franchement, prenez un Ghouls and Ghost Mega Drive ou Arcade ou un Super Ghouls and Ghost Super NES. C'est mieux que ça. Ou un Cursed Castilla, je trouve que c'est mieux aussi. Voilà. Il y a plus de fun. Franchement, je vais pas dire que c'est une grosse dope non plus, mais... Pas génial. Hein. Pas top tout ça, les gars. Alors, l'épée de feu. Bon, du coup, déjà, avec ça, je ferai plus de dégâts. Maintenant, c'est juste une question de timing, les gars. Voilà. Du coup, je passe par là. Bon. Timing. D'accord, ok. Beaucoup trop tard! Oh putain. Là, on l'a eu. Une petite saloperie, du coup. On l'a eu. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres boules rouges, par contre, ça me fait un peu peur. J'aurais dû aller la tuer, mais c'est pas grave. Pas le
décapitant, les gars, ce boss. Oh putain, il t'envoie les boules sur toi. Je l'ai tué? What? Ok. Pire boss du monde. Le pire boss du monde était devant nous. Sans déconner, en plus je l'ai tué en 3 coups, quoi. Et sans l'épée de feu. J'ai même pas l'épée de feu. Pire boss du monde. 0. 0 sur 20, nom de Dieu. Ah non, je suis désolé, hein. Faut quand même pas déconner. 0 sur 20. Bon, plus qu'un seul tableau apparemment. Je pense que pour la fin, il y aura soit le boss final, soit le niveau final, mais je pense qu'il n'y aura que le boss. Hein. Oh putain! Super Mario Bros 3! On est sur le bateau de Bowser, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Très peu de congratulations sur le bon gros chaton, quand même. Il y a Kelly qui m'a congratulé. Scrolling, merci à toi. Hugo Go, merci. Bon roi d'Agobert, merci. Ulu la crevette. Ah, Ulu la crevette! Alors, Ulu la crevette. Et vous en parlez, tiens, de Ulu la crevette. Ça va lui faire plaisir. En fait, Ulu la crevette, il m'avait fait un petit cadeau quand chaton est décédé. Il est mis sur le forum, peut-être que vous l'avez vu. C'était un montage, une chanson en fait. Il avait écrit une chanson. Et c'était Akai qui avait fait le montage. Il y avait une image derrière. Ah d'accord. Et ben voilà, ça m'avait fait bien du plaisir. Et donc il est là, il lui la crevette. Et il fait des streams aussi. Voilà. Attendez, est-ce que je me fais tuer si je touche les pales là, vous croyez, ou vous voyez? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce design? Regardez-moi ce design! Mais regardez, ah, ça y est, ça me congratule. Ça me fait bien du plaisir. Regardez-moi ce design, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on est censé être au Valhalla? Au Valhalla? Est-ce que c'est ça le délire? Attendez, il en envoie un en haut, un en bas, ok. Donc, ah non, ben là, il a encore envoyé en bas, d'accord. C'est pas s'il envoyait en haut, eh ben bravo. Eh ben bravo. Attendez que je comprenne un petit peu, parce que là, c'est quoi le délire de ce niveau exactement? Bon, vous savez quoi? On va pas se prendre la tête. Loul. Je peux aller là? Ah oui, je peux aller là, d'accord. Oh, mais qu'est-ce que c'est ce design, putain? Ok, on est clairement au Valhalla. Ça me paraît évident, là, avec tout ce qui se passe. Il y a des harpies et tout, qui ont des armures. Ça doit être ça, le délire. Ça doit être ça. Moi, c'est fini, les conneries. Je passe et je tranche. Voilà, ça c'est fait. Ça, c'est bon. Moi, je passe là direct. Je suis un fou. Ok, nickel. Allez, je passe là direct. Je passe là direct. Merde. Ouais. Hop. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, il y a des passe-partout ailés. Très très bien. Ça sent au niveau de la mort quand même, hein. Oh putain, allez vous faire. Bon, on va essayer de le tuer. Mais what? Et je le touche même pas en plus. Je le touche pas en plus. C'est merveilleux. D'accord, ok. C'est vraiment c'est magnifique, ça c'est... On ne peut pas le toucher comme ça. D'accord. Je dois me rapprocher de lui, donc. Génial.
Oh putain, ça revient. Putain, en plus t'as un vieil effet boomerang. Mais c'est infâme. C'est compliqué là. Ça devient compliqué. D'accord, en fait faut enchaîner. Hein. Faut enchaîner, il faut 3 coups pour les tuer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là. On va pas arrêter maintenant, c'est le dernier niveau. Trop rapproché de lui. Ah, le gameplay, c'est vraiment dommage parce que le gameplay est vraiment vraiment très sympathique. Mais le game design ne suit pas du tout. C'est vraiment dommage. J'adore ce genre de gameplay, mais là... Ok, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Il faut bien regarder s'il envoie en haut ou en bas. Corbeau stationnaire. Ah, il faut vraiment... Faut les tuer direct. Le double saut. Un petit peu trop tard. D'accord. Horrible. Horrible. Je dois utiliser les lances contre le clairement. Les lances direct. Putain, mais ces caisses sont tellement mal faites. Regardez. En fait, je trouve que ce niveau-là, surtout les caisses, ça jure avec le reste. Même les mâts. Enfin, c'est mal fait, quoi. Regardez. C'est mal fait. En le fond d'écran, je veux bien, il est plutôt sympa. Allez, on va être honnête. Mais le premier plan, il est horrible, hein. Putain, c'est pas vrai. Mais à chaque fois, je pense qu'il va l'envoyer en bas alors qu'il l'envoie en haut. Quel dommage d'avoir un gameplay aussi bon pour rien au final. Après je joue très mal, hein, mais le gameplay est vraiment vraiment bon. Le level design, le game design, ça n'a pas du tout. Même le côté artistique, au début je me suis dit c'est pas mal, mais là, plus on avance, plus c'est une catastrophe quand même. Là c'est juste mauvais. Esthétiquement c'est mauvais, quoi. Mais c'est comme ça! J'ai eu de la chance de pas se faire toucher. Peut-être que la lance de feu peut le toucher. Hein. Mais oui, en plus, putain! Et je l'ai tué? D'accord, la lance de feu peut le tuer. Et en un seul coup.
Et voilà. Ok. Les musiques sont sympas après. Ah, est-ce que je peux aller là? Ah d'accord. Okay. Bon, on va essayer de faire gaffe. C'est quoi ça? Ah non, c'est le casque, d'accord. Je pensais que c'était autre chose. Attention. Il va me toucher, je sens. Je sens qu'il va me toucher, le corbeau. Putain, mais je pouvais rien faire. Je le savais. Je le savais. Et tu peux rien faire. Ah, oh, c'était merveilleux. Sacré corbac. Ça, c'est du bien joué. Ah, d'accord. Ok, il est intouchable comme ça. On est dans la merde. D'accord. Le mec ne fait pas d'attaque et il te touche. Très bien. Ok, on peut esquiver comme ça. What? Putain de merde. Acheter une PS4 pour jouer à des jeux 2D, c'est pas mal le concept. My God! J'avais oublié que les jeux 2D, c'était forcément, évidemment, bien moins intéressant que les jeux 3D, excuse-moi. Tu me diras quand tu te seras réveillé. Comment il s'appelle? Chèvrerie. Alors, tu portes bien ton nom. Au moins, tu portes bien ton pseudo. C'est bien. Chèvrerie. Ah putain, arrêtez-vous, là. Alors. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh putain. Ça clash, c'est pas bon pour les dons. Ah merde. Ouais, c'est vrai. J'ai dit à Chèvre que c'était une chèvre. Mais il fera pas de dons. Il s'abonnera pas. Il mettra pas de pouce bleu. Il partagera pas la vidéo. Et la chaîne mourra parce qu'il y aura plus personne. C'est triste. Mais virez-moi ces trucs pourris, enfin! Bon, c'est fini, c'est fini. Voilà. Ça va plus vite comme ça. Le gameplay est tellement bon, je suis dégoûté quoi. Ils auraient dû en fait, je pense qu'ils auraient dû refaire un jeu avec un autre gameplay. Tu viens toi ou... Ah ils viennent pas aller. Bon. Concentrons-nous. T'as eu de la chance, hein. Alors. Tout à l'heure, c'est parfaitement bien passé ici. Pas comme ça, on a eu de la chance aussi.
de la voir comme ça. Je pense que la meilleure technique, c'est en fait de le faire. J'essaie de le tuer. Putain. Oh putain. Oh là là. Eh ben dis donc. Est-ce que ça avait vraiment la peine? Je me le demande. Heureusement qu'on veut un petit peu dézoomer comme ça, sinon... Mais putain! Bon, allez, pète feu alors que j'ai plus le casque. Alors comment vais-je faire là? Ouais, on va essayer une technique secrète ancestrale hindoue. Ok. On peut l'avoir aux jambes en fait. Ok. Allez. Ça serait bien d'arriver à un petit checkpoint là les gars. Checkpoint. Ouais, sans checkpoint, ça sent checkpoint. Ok. Checkpoint. Checkpoint. Je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais. Mais sur pause. On refait une petite pause, quelle heure il est? 5h, allez. Vous savez quoi, je suis un ouf, on attend pour une dernière partie. Je pense qu'on peut le finir. Allez, on peut le finir. Chèvrerie dit beaucoup de vacherie. J'espère qu'il nous en veut pas. Est-ce qu'il a dit quelque chose, Chèvrerie? Depuis que je l'ai clashé comme un gros clasheur. Popopo brrrah. Au point 91 des pyramides. Brrrah. Il a rien dit, hein. Ah non, il a rien dit. Depuis qu'il a dit acheter une PS4 pour jouer à des jeux 2D, c'est pas mal le concept, il n'a rien dit. Eh oui, Chèvrerie, faut réfléchir, Chèvrerie, putain. Il réfléchit pas, Chèvrerie, putain. Comeback dans 5 petites minutes, on finit ce jeu à la mort moelle gros neuil. À dessus.